notre entraîneur au départ, il nous a dit, les gars, vous ne mettez pas trop dans le coaching. Parce qu'en vrai, si tu mets à fond dans le coaching, tu peux faire beaucoup d'argent et tu peux perdre ce qu'on appelle le mort ou la faim pour boxer. Si vraiment tu... Attends, carrément, votre entraîneur vous a dit, faites pas trop d'argent parce que sinon ça peut être nuisible. C'est-à-dire que le problème, c'est justement de faire trop d'argent en tant que coach. Ça va trop vite. Ça va très vite, tu peux te perdre et tu peux oublier pourquoi tu es là, tu vois. Il y a autant de clients que ça. Ouais. Moi, carrément, je me limite en fait. Pour avoir assez de temps pour m'entraîner. Parce que des fois, c'est dur de dire non à l'argent. Des fois, on t'appelle, tu peux m'entraîner tout à l'heure et tout, t'es là. Ah, tu vois, ça te gratte. Parce que c'est pas. Bon, je vais te dire un truc, hein, on parle en moyenne de 100 euros par heure, tu vois. 100 euros en moyenne. En moyenne. Bonjour à tous, la Coach Community. Je me présente, je m'appelle Booba. Vous êtes sur Inspiration Fitness, First Round Magazine. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème super, super, super intéressant. Coach sportif, comment faire pour travailler et s'expatrier à l'étranger? Pour répondre à cette question, j'ai un invité de marque, comme d'habitude. Un invité qui est coach sportif, entrepreneur fitness et boxeur professionnel. Et tout ça, il a chapeauté son projet depuis les États-Unis, les US. Donc aujourd'hui, nous recevons Frédéric Julin. Inspiration Fitness, donc je suis super super content que tu aies répondu favorablement à l'invitation. Un plaisir pour moi, franchement ça me fait plaisir aussi d'être là, tu vois. Super. Donc déjà dans un premier temps, pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs, parler un petit peu de toi, de qui tu es, ton parcours, rapidement, très rapidement, et ensuite j'amènerai les questions. Alors moi c'est Fred Julin, alors boxeur pro comme tu l'as dit, j'ai 33 ans, ça va faire bientôt, on peut dire que ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis et donc je suis parti aux États-Unis pour tourner boxeur professionnel. Là-bas, j'étais un boxeur amateur en France. Et quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vu le monde, un autre monde en fait, et une autre façon dont les boxeurs étaient traités. J'ai dit, mais attends, il faut que j'aille là-bas, quoi, il faut que je reste là-bas. Déjà, pourquoi la première fois tu es parti aux États-Unis? Tu es parti par hasard? Est-ce que c'était un voyage? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller en fait? Alors, mon entraîneur, Malek Kikelin, je le dois beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances en Espagne, toujours, machin. Lui, il avait son meilleur ami à New York depuis des années. On a un premier pote à nous, Romain, qui était parti aux États-Unis en 2008 pour la première fois. Et quand il est revenu, il m'a dit, oh, les gars, les States, la boxe, truc de fou, machin. Et, tu vois, t'es jeune, laisse-moi tranquille avec la boxe, laisse-moi aller en Espagne, passer du bon temps avec les potes, etc. Et le coach, du coup, il m'a dit, Fred, New York, tous les ans. Cette année, tu vas à New York, cette année, tu vas à New York. Je dis, ouais, coach. Et un jour, il en a marre, il m'a dit, ok, c'est bon, tu vas prendre tes billets, tu ne fais aucun plan. Cet été, tous les deux, là, 2010, vous allez à New York. Et, et du coup, on est parti à New York pour rejoindre son meilleur ami, etc. Donc, de base, en fait, quand vous allez à New York, pour la première fois, c'est par rapport à la boxe, pour vous en prévenir un peu, parce que New York, c'est un peu la mecque de la boxe mondiale. En tout cas, c'est l'épicentre de la boxe dans le monde. Donc, vous êtes parti pour vous entraîner, j'imagine. Ouais, parce que aussi, on venait d'un petit club et on voulait faire quelque chose dans la boxe, tu vois, et notre entraîneur nous a dit, si vous restez en France, les gars, ça va être difficile. On vient d'ouvrir le club, vous avez vu, tous nos boxeurs se faisaient voler contre les grands clubs et tout. Il a dit, tentez votre chance aux États-Unis. Et donc, allez voir, et c'est comme ça qu'on est parti à New York. On est allé repérer, faire un repérage. Et puis voilà, après, de là, c'est, comme on dit, c'est history. Voilà, du coup, tu t'installes, enfin, tu viens une première fois à New York, tu tombes amoureux de la mentalité, de la ville. La dynamique, New York, c'est... Ouais, il faut y être pour comprendre, parce que c'est dur de mettre des mots, il y a tellement de choses qui se passent. La dynamique dans laquelle tu te retrouves autour des gens, tout le monde est... Tu vois ce que je dis, New York, en fait, tout le monde est là-bas pour faire quelque chose de grand.
Et en fait, t'es dans cette dynamique et quand tu vois autour de toi, chacun essaie de. Par exemple, même si tu veux être serveur, chacun essaie d'être le meilleur serveur, le meilleur restaurateur, le meilleur coach, machin. Et t'es dans cette dynamique et en fait, tu te dis, mais c'est là qu'il faut être en fait. Ça correspondait totalement à ton mindset, c'est ça en tout cas à l'époque. Du coup, t'arrives à New York, tu sais que tu veux du coup y vivre, tu reviens à New York pour cette fois-ci t'y installer. Comment ça se passe au début? Alors, pendant le stage à New York, pendant un mois, on est parti dans un studio que mon entraîneur avait sur le côté, tu vois. Et en repartant en France, on a dit, ok, le but c'est de revenir dans 2 ans. Donc, on va payer 2 ans de loyer. Tu vois, donc moi j'avais mis de l'argent de côté, je travaillais et tout. Et c'était vraiment pas cher à l'époque. Donc, on a pris 2 ans en avance et notre entraîneur nous avait aidé aussi. Le coach de France. Il a dit, ok, les gars, je vais vous aider. Comme ça, quand vous revenez aux États-Unis, vous vous installez. Vous avez un studio déjà. Après, mon entraîneur aux États-Unis avait des contacts, des avocats, etc., pour nous faire le statut, parce que c'est pas facile d'aller aux États-Unis. Je ne vais pas tout donner ici, tu vois, mais il faut un avocat qui fasse un dossier assez carré. Et donc, il a fait tout ça pour nous, et comme ça, quand on arrive, on n'a pas de problème. On avait là où dormir, un statut pour rester légal et de l'argent de côté, tu vois. Du coup, vous avez avancé 2 ans de loyer avant d'arriver à New York. Ouais. Pour être sûr de pouvoir y vivre pendant Ouais, 2 ans. parce que c'était une opportunité en or, le loyer était super pas cher, et voilà, tu vois, on a eu la chance d'avoir l'aide de notre entraîneur de France, et on a payé un an, on a pris un an à notre charge, lui il a pris l'autre année, et quand on est arrivé, c'est resté au même prix, parce que si tu pars, en fait, s'il partait de l'appartement et que nous on arrivait en mode nouveau, comme tu dis, lease, je crois que c'est un bail, Ouais. On aurait payé une fortune. Ok, d'accord. Donc une fois que tu arrives, tu as réussi à voir avec les avocats pour avoir un dossier assez bien structuré, tu as déjà un appart, donc tu sais que tu ne vas pas dormir dehors. Comment ça se passe au niveau professionnel? Parce que là, à ce moment-là, tu es jeune, tu es dans le monde de la boxe. J'ai parlé un petit peu de tes multiples casquettes, chef d'entreprise et aussi personal trainer, on va dire boxing instructeur parce que tu es plus dans la boxe. Comment ça se passe professionnellement quand tu démarres à New York? Déjà, nous, on est parti dans un but de boxer. Et donc, comme je t'ai dit, on avait de l'argent de côté. Donc, là, le focus, c'était la boxe. On est parti vraiment pour boxer, donc matin, midi, soir, pendant, en tout cas, la première année. Entre l'école aussi, parce qu'on allait à l'école pour apprendre l'anglais. On faisait boxe, école, boxe. Tu vois. Et quand on est arrivé à la fin des économies, il fallait faire quelque chose pour gagner sa vie. Et c'est là que vient le boxing instructor, comme on dit. Et en fait, notre entraîneur sur place, il a déjà un grand réseau de clients. Et de temps en temps, tu vois, il nous a introduit doucement, même si on ne parlait pas trop la langue, avec ses clients. Ah, Fred, va finir la session avec mon client. Donc on a commencé comme ça, on a fini les sessions. Et petit à petit, de fil en aiguille, les gens ils nous ont vu tenir les pattes, faire ça. Et ils sont venus nous demander, est-ce que tu peux m'entraîner, etc. Donc forcément, au départ, on n'a pas vraiment. On a une légitimité parce qu'avant de partir, bon, j'avais fait des trucs tronc commun pour faire le BPJEPS. Collègue Romain, il avait fini de valider le BPJEPS, etc. Donc, il avait une certaine légitimité que moi, j'avais pas. Donc, au départ, tu peux pas charger beaucoup d'argent. On vient de voir, t'entraînes, ouais, et tout, c'est combien? Tu dis un petit prix, tu vois. Et si je prends l'évolution du jour où je suis arrivé à là, les prix ont triplé. Ils ont triplé. Ouais. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce sujet parce que First Round Magazine, comme tu l'as pas compris, c'est un magazine qui est totalement dédié aux professionnels de la remise en forme, notamment les coachs sportifs. Nous, on a ce métier en France, on ne sait pas forcément comment ça se passe aux États-Unis. Donc, toi, quand tu arrives aux États-Unis, j'aime bien faire une petite rétrospective sur ce qu'on a dit. Tu travailles déjà pendant X temps, le temps de tes économies sur ta boxe, et au moment où tu vois que ça va commencer à devenir difficile, qu'il va falloir créer de l'argent. Tu vas dans vous appelez ça le gym, donc tu vas dans la salle de boxe où ton entraîneur exerce et tu commences à t'introduire en tant que boxing instructeur. Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de boxing instructeur, ce que c'est exactement? Alors, boxing instructeur, tu apprends les personnes à boxer. Ouais. Tu vois, tu traites comme si c'était quelqu'un qui allait aller au combat. Donc on va parler de coaching, mais vraiment spécifique boxe. à la boxe. Ouais. Donc tu commences à t'introduire en tant que boxing instructeur, tout doucement, aux États-Unis, et comment est-ce que c'est réglementé justement cette activité? En fait, honnêtement, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de réglementation. C'est pour ça que tu vas trouver beaucoup d'escrocs qui n'ont jamais fait de boxe, qui n'ont jamais boxé,
et qui entraînent des personnes et se disent boxing instructeur, tu vois. C'est une chance et aussi c'est dangereux pour certaines personnes. C'est ça. Parce que si tu entraînes avec le mauvais entraîneur, ça peut être dangereux. Parce que toi, ça peut être une chance dans ton cas, tu as été boxeur professionnel. Le fait qu'il n'y ait pas de réglementation, ça t'a permis juste, ça t'a levé des barrières en fait. Ça t'a permis de faire de l'argent et de continuer à prospérer, à travailler, alors qu'il n'y avait pas forcément une certification ou un diplôme qu'il fallait passer. Exactement. Et comme tu le dis, il y a aussi le contre-exemple. Si tu n'avais jamais fait de boxe, tu aurais quand même pu être boxing instructeur et faire du bullshit. Le seul truc qu'il y a, c'est que si tu n'as aucune licence ou certification, tu ne peux pas avoir d'assurance. Et ça, c'est là où ça devient intéressant, parce que tu n'as pas besoin d'une licence ou d'un diplôme, mais pour entraîner certaines personnes dans certains buildings, tu dois avoir une assurance. Ce qui m'a donné le droit à l'assurance, c'est que j'étais boxeur. Donc ça me donnait une certaine légitimité pour faire ça. Donc quand j'ai demandé l'assurance, ils m'ont dit, quel est votre... Tu vois, ils ne sont pas vraiment compliqués avec ça. Quel est votre background? Quel est votre résumé, en gros? Et j'ai dit, je suis boxeur depuis X années. Ils m'ont dit, avez-vous de l'expérience? Oui, j'ai entraîné des gamins, etc. Ok, c'est bon, on vous assure. Okay. Donc là, du coup, tu t'installes en tant que boxing instructeur. Bon, c'est un peu les mêmes argumentations, j'imagine, pour les personnes entraîneurs, que ce soit en boxe ou dans le fitness classique. Donc voilà, tu t'installes en tant que boxing instructeur. Comment justement tu fais pour... Tu nous dis que ton prix a triplé. Comment est-ce que tu fais justement pour t'installer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment dire? Bah, au départ, tu vois, tu te crées un nom. Et nous là-bas, comme je t'ai dit, en même temps, sur le côté, ma carrière de boxeur a aidé à tripler ses prix. C'est ça aussi. C'est pas genre je suis un entraîneur et parce que je suis super bon, je monte mes prix. Non. Je suis un boxeur amateur au début. Après, je suis un boxeur amateur qui a gagné les Golden Globes une fois. Après, je suis un boxeur qui a gagné deux fois. Après, je suis un boxeur professionnel. Tu gagnes les Golden Globes deux fois. Deux fois. Faut qu'on en parle quand même. Ouais. Parce que les Golden Globes, à mon avis, tout le monde voit ce que c'est. Alors, tout le monde l'a entendu, a déjà entendu ce terme. Qu'est-ce que c'est au final? C'est quoi les Golden Globes? Les Golden Globes, c'est la compétition amateur mythique, la plus mythique des États-Unis. C'est-à-dire que Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, tous sont passés par là. Et en fait, quand tu gagnes les Golden Globes, quand tu es américain, tu pars pour les, ce qu'on appelle les trials nationaux pour les Olympiques. Tu pars pour la qualification olympique. Et comme ben, moi, j'étais français, c'est mon adversaire qui allait. Et donc voilà, donc j'ai gagné ça deux fois. Et ça m'a apporté beaucoup, tu vois. Ça t'a apporté en notoriété. C'est ça. Et donc, grâce à cette notoriété, tu as pu justement t'installer en tant que boxing instructeur, élever tes prix, montrer que tu avais gagné plus en expérience. Comment ça se passe une journée typique pour un boxing instructeur? J'aime bien m'attarder sur ce sujet, principalement c'est ce qui nous intéresse. Comment ça se passe aux États-Unis? Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu vas à la gym. Est-ce que c'est comme en France? Ça veut dire que tu payes un loyer dans les salles? Ou est-ce que c'est à la commission? Ou est-ce que les gens payent la salle et toi tu as une rétribution? Est-ce que c'est du mano à mano? Comment ça se passe l'activité de boxing instructeur aux États-Unis? Alors, il y a plusieurs écoles en fait. Chaque salle de sport, chaque gym de boxe en tout cas, ils ont leur policy, comme on dit, leur politique. Donc, tu arrives, nous on a la chance, Mendes Boxing, malheureusement aujourd'hui ils sont fermés, mais j'espère qu'ils vont bientôt ouvrir. Mais leur politique c'était, ok, pour être entraîneur, pour être compté comme entraîneur, il faut au minimum 2 ou 3 clients qui vont prendre un abonnement ou qui vont payer leur day pass, l'entrée à la journée. Une fois que tu as 2 ou 3 clients, on te reconnaît en tant qu'entraîneur, normalement tu ne payes plus l'entrée. Sinon, tu dois payer à chaque fois que tu viens, tu payes $25 la journée et tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'entraîner, tu peux entraîner tes clients, etc. Nous, quand on est arrivé, on a eu la chance. Ben, en fait, quand tu gagnes les Golden Gloves, pendant un an, tu ne payais pas la salle. Ah ouais. Donc voilà, pendant un an, on a pu, même sans entraîneur, avec 1 ou 2 clients, on a pu entraîner sans payer, donc on était quand même pas mal. Si demain, tu vas dans une autre salle, je crois. Un peu plus générique, je crois que tu dois payer à chaque fois que tu rentres. Okay. Pendant $35 la journée, ou tu peux t'arranger avec eux au mois, etc. Ou tu ramènes un certain nombre de clients qui prennent un abonnement et ça peut te donner. C'est, tu vois, tout est négociable aux États-Unis. En fait, on fait en sorte que, en gros, si la salle de sport prend des sous, voilà, ils vont pas trop te laisser te taxer des sous. C'est pas aussi réglementé. J'ai l'impression que les États-Unis, c'est quand même assez soft au niveau de la réglementation. Tu peux négocier tout, partout. Ouais. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Tout est négociable, tout est, tu vois, rien n'est impossible. C'est pour ça que moi j'essaye à chaque fois, tu vois. Partout où j'aille, je vais demander, ah, c'est possible, tu vois, un peu.
Ouais, pas de problème. Même tu vas au magasin et tu leur dis, est-ce qu'il y a une réduction dessus? Et tu vois, tu fais un petit truc. La meuf, elle va te dire, ok, ben, je vais t'utiliser ma carte à moi, personnelle du taf, et je te donne ta réduction. Mais voilà. Tu sais, c'est tout est possible, tu Et vois. là, quand tu es rentré en France, tu as retrouvé ça aussi un petit peu? Ah oui, je vais expliquer une petite anecdote, il n'y a rien à voir, mais il y a 2 ans, j'étais venu pour Disney et on avait 3 passes pour les 2 parcs, je sais pas quoi. Et je me suis dit, on en a perdu un. Et je me suis dit, bah, on y va quand même, il va nous séparer, on va lui expliquer notre histoire, on a perdu le pass, c'est vrai et tout. Impossible, il ne nous a pas laissé passer. Aux États-Unis, il aurait fait, allez, c'est bon. Mais genre comme sans même réfléchir, là, c'était une question de vie ou mort, il ne nous a pas laissé passer. En fait, en France, c'est. J'ai l'impression que rien n'est négociable, c'est vraiment difficile. C'est plus difficile de négocier en France, ça c'est clair. Enfin, j'ai l'impression d'après ton discours, parce que les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé, je suis sûr qu'en France, tu n'aurais pas pu te retrouver dans ces situations-là. C'est très intéressant. Moi, il y a quelque chose, enfin, il y a un aspect aussi qui est très intéressant aussi pour les coachs, c'est l'aspect financier. Comment ça se passe au niveau, on va parler argent, sans langue de bois, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que boxeur et instructeur aux États-Unis. Je vais te donner un ordre d'idée. Un boxing instructeur en France, on va parler de coach sportif parce que ce sont ceux qui sont habilités à utiliser la boxe dans le cadre de la remise en forme en France. On va parler même des coach boxe aussi. Le prix moyen d'une session de personal training, on va dire qu'il tourne autour de 50 euros à peu près. On va dire qu'il tourne autour de 50 euros. On se situe où par rapport aux États-Unis? Mes prix de début. Ah ouais, quand t'as démarré. Ouais. Mais je pense que je vais peut-être aller au steak, hein. Finalement, je vais pas forcément le C'est, faire euh, en plus ici. en fait, c'était le danger. Notre entraîneur, au départ, nous a dit, les gars, vous ne mettez pas trop dans le coaching. Parce qu'en vrai, si tu mets à fond dans le coaching, tu peux faire beaucoup d'argent et tu peux perdre ce qu'on appelle le mort ou la faim pour boxer. Si vraiment tu. Attends, carrément, votre entraîneur vous a dit, faites pas trop Ouais. d'argent Ouais. parce que sinon ça peut être nuisible. Ouais. C'est-à-dire que le problème, c'est justement de faire trop d'argent en tant que coach. Ouais. Tellement il y en Ça va a. trop vite. Ça va très vite, tu peux te perdre et tu peux oublier pourquoi tu es là, tu vois. Il y a autant de clients que ça? Ouais. Moi, carrément, je me limite en fait. Pour avoir assez de temps pour m'entraîner. Parce que des fois, c'est dur de dire non à l'argent. Des fois, on t'appelle, tu peux m'entraîner tout à l'heure et tout, t'es là. Ah, tu vois, ça te gratte. Parce que c'est pas. Bon, je vais te dire un truc, hein, on parle en moyenne de 100 euros par heure, tu vois. 100 euros En de l'heure, moyenne. en moyenne, Ouais. c'est une moyenne. Ouais, c'est moyenne. Tu vois, les plus chers, bon, je peux, voilà, sans tabou, hein, un de mes clients qui paye le plus, c'est 140. 140 euros de l'heure. Ouais. Après, moi, je fais des packages Enfin, et tout. 150, 140 dollars, Ouais, pardon, de dollars, dollars. pardon, dollars. Donc, je fais des packages, si t'en prends 20, je te le fais à 1000, tu Ouais. vois, enfin, à 1000, à 2000, je veux dire. Ouais. Tu vois, donc ça te fait 100 la session, etc. Et C'est souvent, ils fou. achètent comme ça. Aux États-Unis, les gens, ils aiment bien acheter en package. On Oui. parle tout le temps de package. Après, en France, on a aussi un peu ce système de pack. On parle de pack Voilà. de 5, 10, 15, 20 Voilà, séances ouais. aussi, Pour descendre les prix. parfois mensuel, toujours sous forme de pack. Je pense qu'on s'y retrouve aussi au niveau de la forme. Mais c'est très intéressant de savoir qu'aux États-Unis, en tout cas, on parle des États-Unis parce que c'est toi qu'on reçoit aujourd'hui, mais de savoir qu'à l'étranger, on peut très très bien gagner sa vie en tant que coach sportif. Il faut savoir, ouais, faut savoir une chose. Je suis pas cher pour un coach à domicile. 140, c'est pas cher. 140, c'est pas Il y en cher. a qui diront, ouais, Fredo, tu vois, Low il se cost. vend, ouais. Et ben, moi, je pense que ça va en intéresser plus d'un. En tout cas, dans la coach community, je pense que ça va vous intéresser de savoir que 140 euros, c'est pas très cher aux États-Unis. Donc voilà, merci à toi, Fred, Pas de pour problème. cette petite précision. On va continuer notre interview. Pour clôturer et bien finir sur cette casquette de boxing instructeur, j'aimerais que tu me donnes peut-être aussi les coûts un peu, les aspects un peu plus négatifs qu'il peut y avoir aux États-Unis, un peu plus complexe, les épreuves auxquelles tu as pu te heurter en tant que boxing instructeur aux États-Unis. Quel problème j'ai eu? En vrai, franchement, j'ai pas eu vraiment énormément de problèmes. Il y a des mois, c'était difficile, tu vois, parce que tu dépends. Si t'as, au départ, tu n'as pas beaucoup de clients et tu dépends en fait sur des gens qui voyagent, qui tombent enceintes. Tu vois, j'ai des clients, elles sont toutes Vous enceintes. avez toujours des charges par rapport à cette activité ou pas? C'est-à-dire. Vous avez, quand par exemple en France, nous, vu qu'on est coach sportif, que ce soit sous statut AE ou que ce soit en général c'est un statut AE, on a une redevance
mensuel ou trimestriel, c'est ce qu'on paye à l'URSSAF. Je ne sais pas si ça te parle, le mot URSSAF. Voilà, donc à chaque fois qu'on va avoir, par exemple, 50 euros, tu vas avoir 25% de ces 50 euros qui vont être alloués à l'URSSAF. Je ne sais pas si vous avez le même système aux États-Unis. Il y a des systèmes. Le problème, c'est que tu es payé beaucoup en cash là-bas. Ouais. C'est beaucoup de cash. C'est beaucoup de mano à mano. Voilà, c'est tu vois. On paye des taxes, hein, ouais. Mais tu vois, c'est pas tout le temps. En fait, quand ils te font des chèques, tu vas payer tes taxes à la fin du mois. Nous, c'est toutes les périodes au mois d'avril, tu déclares et tu payes la taxe sur ce que tu as touché. Tu vois. Sur l'année. Ouais. D'accord, vous ouais. Le déclarez une fois, c'est pas mensuel, ouais, ou trimestriel, même c'est même par rapport à ça. À la fin d'année, c'est comme la déclaration d'un chiffre d'affaires. Ça, t'as fait combien hein. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est des statuts un peu. Genre, moi, j'avais pas de statut. C'est la banque. Tu vas chez ton comptable, tu lui dis ok, je travaille pour moi, et ton comptable il va faire tous les trucs et bon, c'est parti. Tu vois. Alors c'est vraiment vraiment très soft. Pas de statut, genre j'ai pas besoin d'aller créer une entreprise ou quoi. Je pense que c'est clair, c'est beaucoup plus simple. Non, mais, et qu'il n'y a pas forcément de points négatifs. C'était ouais, en vrai c'est ça, les seuls points négatifs, je t'ai dit, c'est quand les mois étaient un peu creux, c'est tout. Non, après ça c'est partout pareil, ouais, dans c'est toute la planète. Hein. C'était après, le seul que soit à Paris ou à New York, ce sera toujours aucune même ouais. Galère là. Ouais. Ok, ça c'est inhérent au métier de coach. Bah, top, c'est top. Ok, mais on va avancer un petit peu. On va parler maintenant de cette casquette un peu plus d'entrepreneur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es chef d'entreprise, tu as créé une entreprise, une compagnie, on dit ouais. Aux États-Unis une compagnie qui s'appelle Boxing Culture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette société, nous pitcher ça rapidement? Ok, bah, pour revenir en fait sur la facilité d'ouvrir des compagnies aux États-Unis, Boxing Culture, je l'ai ouvert en 3-4 jours. C'est-à-dire que tu vas déjà, tu enregistres le nom. Pareil, c'est mon comptable qui s'occupe de ça, tu l'envoies à quelqu'un, je vais voir cette compagnie, il envoie un papier. Tu reçois un papier, tu signes, tu fais application pour une licence de vente, etc. de tes services, et c'est bon, tu es prêt pour partir. Ça c'est comment, ça c'est pas, enfin c'est juste un petit aparté. Boxing Culture, c'est une plateforme que j'ai créée pour les boxeurs, parce que moi j'ai senti un besoin dans ma carrière à un moment où il y avait plein de choses qu'on recherchait mais qu'on n'avait pas accès. Accès aux d'autres entraîneurs, accès à d'autres boxeurs pour les sparring, accès à que ce soit des stages de perfectionnement ou des conseils sur combien tu dois être payé, etc. Donc je me suis dit, je vais créer une plateforme où je vais mettre tout ça à disposition des boxeurs. Donc Boxing Culture, on met les boxeurs en relation, on liste des entraîneurs qui s'inscrivent, les salles de boxe, on crée des stages de perfectionnement, on a essayé de faire des webinaires, mais la France, je pense pas qu'ils soient encore prêts pour ça, mais on va développer dans le futur. Et voilà, Boxing Culture, c'est une plateforme faite pour les boxeurs, par les boxeurs. Donc toi, tu as essayé de créer une plateforme, une structure où ils pourraient retrouver tout plus facilement. C'est ça. Ok. Tout est regroupé, tu vois. Parce que c'est un problème dans la boxe, il n'y a aucune... Il y a des structures. On a USA Boxing, l'équivalent de la Fédération Française de Boxe, etc. Mais c'est comme si c'était compliqué d'aller sur ces plateformes et de trouver ce que tu as besoin. Donc je me suis dit, faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et je me suis dit, pourquoi pas moi. Aujourd'hui, tu fais le pont entre les États-Unis et la France. Comme tu l'as dit, tu organises des stages pour les boxeurs, par les boxeurs. Mais il n'y a pas que les boxeurs qui sont touchés par ces stages ou par tout ce que tu peux mettre en place. Il y a aussi les coachs qui veulent se perfectionner. Il y a aussi les entraîneurs de boxe qui veulent travailler avec leurs boxeurs. Il y a tout ça en fait, il y a tout ce monde, tout ce microcosme que tu viens regrouper dans Boxing Culture, et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Mmh. Ouais, on a fait ça, ouais. C'est aussi ouvert au grand public, ça veut dire qu'on veut élargir l'audience de la boxe, parce que la boxe c'est un sport qui va survivre grâce au grand public, parce que nous les boxeurs, on est des intermittents du spectacle, et sans public, ben, on ne peut pas faire l'argent, on ne peut pas faire notre métier, parce que si personne ne regarde, ça sert à quoi. Donc quand tu ouvres l'horizon comme ça au grand public, ça ramène un certain intérêt. Et en fait, c'était mon but. C'était, comme je disais au départ, c'était ramener la boxe au devant de la scène. Bon, c'est quand même, on peut dire que c'est arrogant d'avoir cette mission, mais c'est ma mission. Est-ce que tu penses que le fait de t'être expatrié aux États-Unis a changé ton mindset? Parce que même lorsque je t'entends parler, le fait de vouloir révolutionner ton secteur, le fait de vouloir apporter ta pierre à l'édifice, c'est un mindset très américain. Est-ce que ce mindset-là, tu l'avais avant et en fait tu t'es juste retrouvé dans un endroit où tu pouvais explorer totalement, exploiter totalement ton mindset, ou est-ce que c'est le fait d'être parti aux États-Unis
qui a fait que tu as pu développer un esprit un peu plus entrepreneurial, un peu plus américain, j'ai envie de dire. J'ai toujours été un peu entrepreneur, tu vois, comme je t'ai dit, avant de partir des États-Unis, j'avais ma compagnie d'électricité, j'avais un contrat avec Luc Besson, tu vois. Je travaillais, c'est moi qui ai fait l'électricité dans les studios du frère Jamel Debbouze. Ah ouais. Tu vois, donc j'avais déjà un peu démarcheur. Tu sais. Et dans les États-Unis, ça m'a ramené cette touche américaine d'entreprendre plus grand. Plus grand. Tu vois. Ça c'est les États-Unis, tu vois. Développement personnel, le fait de côtoyer des gens super inspirants, super encourageants, dès que tu fais un petit truc, ils veulent te supporter à 100%. C'est, comme je t'ai dit, c'est la dynamique qui te pousse à dire « mais ouais, tout est possible en fait ». Donc tu le fais, tu te poses pas de questions. Il y a personne, en France c'est beaucoup sceptique. Ouais, les gens sceptiques. Dès que tu commences quelque chose, « ah non mais frère, là quand même c'est dur ce que tu veux faire, tu devrais faire attention parce que j'ai eu des appels avec des personnes de France vraiment, c'était ne le fais pas, quoi, tu vois. Alors, si tu les avais écouté, ça parle mieux. Les États-Unis, c'est oh, mais j'adore ton idée, c'est amazing. Ils aiment trop faire les acteurs et tout. Et ils disent ouais, fais-le et tout. Si t'as besoin d'aide, quoi que ce soit, tu m'appelles. Et puis moi, voilà, je te mets en contact avec un tel et un tel. Et que de la bienveillance. En France, on manque de bienveillance, tu vois. Quand les gens ont des projets, on a besoin de se supporter les uns les autres, tu vois, sans dire « ah non, mais c'est quand même chaud parce que tu vois, lui l'a fait, mais ça n'a pas marché ». Non, envoyer de la bienveillance, de la force, dit « franchement, respect, super ce que tu fais, ouais, vas-y, je suis derrière toi », tu vois, on a besoin de ça. Hormis ces différences, parce que j'ai envie de creuser un peu, c'est très intéressant, je pense que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, vont être intéressés par ce propos. Hormis ces différences-là, quelles sont les différences entre la France et les États-Unis? Parce qu'on parle du mindset, mais il doit y avoir d'autres différences entre la France et les États-Unis, en tout cas dans ta casquette de chef d'entreprise et dans ta casquette de boxing instructeur, surtout bon, après ta casquette de boxeur un peu moins, mm-hmm. On peut en parler aussi. Mais quelles sont les vraies différences entre la France et les États-Unis, hormis le mindset? Et en fait, quand tu reviens en France, tu te rends où d'autres pays, hein. Par exemple, on était à Casablanca récemment, et tu vois le lifestyle, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus le temps de vivre. Tu prends le temps de vivre. Aux États-Unis, c'est un peu tu sacrifies tous les aspects social, famille, tu vois, le temps pour toi, etc., pour la carrière. Ça, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que les gens, il y a un dicton qui dit en France, on travaille pour vivre, et aux États-Unis, on vit pour travailler. D'accord. Vraiment, c'est le travail. Quand je suis là-bas, je ne peux pas ne pas travailler. Je suis tout le temps en mode. Ok, c'est quoi le prochain truc? Ok, je finis ce coaching, après je vais m'entraîner, après je vais aller faire travailler sur Boxing Culture, talala, oh, faut que j'appelle un tel, c'est tout le temps tête dans le guidon en fait. Un mode de vie un peu plus stressant. C'est vraiment stressant, on dit que New York City ça fait bien plus vite. Et franchement, en vrai, maintenant que quand je suis allé au Maroc, ça m'a fait réaliser tout ça. Je dis, ah ouais, non, j'avoue qu'on travaille en fait, tu vois, on travaille beaucoup. Et, mais c'est aussi important de. C'est positif parce que j'y suis allé quand j'avais 24 ans, c'est un endroit où il faut être. Parce que la dynamique, c'est là que tu as l'énergie, c'est là que tu vas te développer en tant qu'être humain et c'est super important pour ton développement personnel. Et c'est ce qui m'a réveillé à qui je suis aujourd'hui et ce que je fais. On va rebondir sur ces derniers mots. Voilà, 24 ans, c'est à ce moment à peu près qu'il faut être. Toi, comme tu dis, c'est le moment de ta vie où tu travailles le plus, où tu essaies vraiment de développer ton avenir. Quel conseil tu donnerais à une personne, peu importe l'âge, j'ai envie de dire qu'elle soit jeune ou un peu moins jeune, un coach sportif, un boxing instructeur, un chef d'entreprise, en tout cas un professionnel de la remise en forme ou du sport en général, qui aimerait s'installer aux États-Unis? Quel conseil tu lui donnerais, si tu devais lui en donner qu'un, par exemple? Ne pas s'inquiéter de la peur de ne pas avoir d'argent au début. Parce que, comme on dit, l'argent, money comes and go. Tu vois, l'argent va et vient. Mais le temps, tu ne le rattrapes pas. Tu vois, on dit time is undefeated. Le temps, il est invaincu. Donc, t'inquiète pas de l'argent. Fais tout le travail que tu peux, même si tu ne gagnes pas au départ. Parce que tout ce travail que tu vas mettre dans le temps, c'est un investissement que tu vas avoir un très bon retour. Expérience, tu vois, ça va t'ouvrir des portes. Il y a plein de choses qui vont se passer pendant ce temps-là. Et l'argent, en vrai, on s'en fout, tu vois. Il y aura toujours moyen de faire de l'argent. Hein. Demain, tu n'arrives pas, tu peux travailler n'importe où. N'importe où, il y a toujours il y a l'intérim, il y a
tout plein de sortes de boulots, tu pourras toujours faire de l'argent. Le temps, tu ne rattraperas pas. Donc si tu es dans la vingtaine, tu as des rêves, tu as des envies, tu te dis ah, j'aimerais bien aller au Canada, mais c'est chaud, l'argent, non, non, non. Mets ton argent de côté, travaille un an, voilà l'intérim, on sait rien. Va au Canada, fais ce que tu as envie de faire. Comme ça, au moins, tu l'auras fait, il n'y aura pas de regret sur ce que tu n'as pas fait. Quel avenir tu vois pour les États-Unis, en tout cas pour le sport aux États-Unis, l'activité fitness, l'activité boxe, l'activité de boxing instructeur? En fait, c'est intéressant ce qui se passe, c'est que maintenant, nous, les États-Unis sont beaucoup en avance sur la France en termes de boxe, etc. Vous arrivez dans la boxe, commence à être un bon outil fitness. Aux États-Unis, maintenant, on est peut-être 5-6 ans derrière ça, plus même. Et c'est plus qu'un outil fitness. Ça veut dire que les gens qui sont dans le fitness, maintenant, ils font des combats. On appelle ça les white collar, les cols blancs. Donc, tous ces gens des entreprises, etc., maintenant, ils veulent faire des combats. C'est-à-dire qu'ils viennent s'entraîner avec toi, ils y prennent goût. Et peu importe l'âge, hein, 35, 36, 30, 40 ans, ils disent au final, là, ça fait 4-5 ans que je boxe, j'aimerais bien faire un combat. Et donc, il y a tout ce nouveau truc qui se crée. Donc, je pense que c'est le futur à venir en France. C'est ce qu'on appelle les combats de col blanc. Il y a le Marseille Boxing Club qui en a fait un récemment. Il y en a plein d'autres qui organisent, je crois, dans le Temple, etc., sur Paris. Mmh. Et je pense que l'avenir de la boxe, ça va être ça. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ce qu'on appelle les cols blancs dans la boxe, c'est une nouvelle audience, c'est un nouveau public avec plus de moyens qui vont aider les boxeurs et la boxe à se développer parce que c'est un public qui va payer les places de combat, les pay-per-view, etc. Ça peut être très intéressant, en tout cas pour les coachs qui sont en France, de savoir que si déjà aujourd'hui on est formé ou en tout cas on sait utiliser la boxe dans le cadre de la remise en forme, ça va nous permettre dans 5-10 ans d'être totalement installé et de vraiment prendre ce qui se passe déjà là aux États-Unis, sachant qu'on a déjà 5-6 ans de retard, peut-être même 10. Ouais, exactement ce que je voulais dire. En fait. Super intéressant. Mm-hmm. Pour terminer, bah, j'aimerais te demander, toi personnellement, tes futurs projets, est-ce qu'il y a des projets qui sont en devenir là, qui arrivent en France, en tout cas pour notre auditoire, nos spectateurs, il y a des choses, des stages, etc. Ouais, ouais. Alors bah, déjà, les grands projets de l'année prochaine, bah, on essaiera toujours New York parce que c'est le projet. Donc des stages sur New York, voilà. Tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on peut faire pour accéder aux stages? Alors, bah, allez voir sur boxingculture.com, il y a tous les détails. Tu as une page boxingculture.com, donc on va sur cette page, on va retrouver tes stages que tu fais en France ou à l'étranger, on va retrouver tout ce dont tu nous as parlé précédemment. Voilà, et des formations, plein d'autres trucs, plein de nouveaux projets, plein de nouvelles collaborations. Vous avez aussi une page YouTube. Page YouTube, ouais, on n'est pas trop actifs. Vous avez une page YouTube, vous avez une page Instagram. Voilà. Vous êtes aussi sur Facebook. Ouais. Ouais, Facebook, donc voilà, Instagram, YouTube, Facebook. La page Boxing Culture, vous allez retrouver tout par rapport au monde de la boxe, que vous soyez un professionnel ou vous soyez tout simplement une personne qui soit intéressée ou même un coach, justement, suivez cette page où vous allez retrouver les stages, les formations, les webinaires dont Fred a parlé. Donc ça peut être très intéressant aussi pour vous. Bah, je te laisse le dernier mot de la fin. Merci de m'avoir reçu, en tout cas, ça fait plaisir. C'est vraiment important d'avoir une voix, tu vois, de pouvoir exprimer ce que je fais et mon parcours un peu. Et voilà, les coachs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, comme je te l'ai dit en début d'interview. Moi, je te connais maintenant personnellement. Tu es une personne que je trouve déjà très inspirante au quotidien. Donc, le fait de t'avoir en vidéo et de pouvoir diffuser ton message au grand public, c'est un grand plaisir. Et vraiment, vraiment, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui entendront ces paroles. Peut-être même que tu vas motiver certains à s'expatrier, à réaliser leurs rêves. En tout cas, c'est ce que j'espère. Moi, j'ai passé un super moment avec toi aujourd'hui et même par le passé quand on a été en stage ensemble. Parce que oui, il faut savoir que j'ai effectué un des stages avec Fred. Donc vraiment, c'est top ce que tu fais. Je te soutiens à 100% dans ton projet. Merci, merci beaucoup. Merci Fred. C'est un plaisir pour moi. Donc voilà, c'était notre interview pour Inspiration Fitness sur First Round Magazine. Aujourd'hui, on a essayé de répondre à une question. Coach, comment faire pour s'expatrier à l'étranger? On a parlé surtout des États-Unis avec Frédéric Julan, je vous rappelle, qui est boxing instructeur, qui est boxeur professionnel, mais qui est également chef d'entreprise. J'espère que cette interview vous a motivé, vous a inspiré et va vous aider dans votre quotidien de coach ou de professionnel de la remise en forme. On se reverra très vite pour une prochaine interview avec de nouveaux intervenants. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter nos vidéos et à nous faire
vos retours, que ce soit sur notre page Instagram, notre page YouTube ou notre page Facebook.